Salut tout le monde, c'est Maxence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure Project Slayer. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons tout simplement continuer l'aventure et comme vous le voyez j'ai changé de skin. Alors là je me suis fait un petit papy pourfendeur de démons. Donc là un petit peu genre le mec à la retraite quoi qui a fait pourfendeur de démons toute sa vie. Bon même si au final je suis niveau 2, enfin je suis niveau 7 et vraiment là je suis un peu claqué au sol. Mais c'est pas grave, franchement je trouve que son style là il est plutôt beau gosse en vrai là, ça fait un peu badass je trouve. Et du coup, je me suis aussi un petit peu renseigné et j'ai aussi fait une petite partie sur mon compte principal pour essayer de comprendre un peu plus le jeu. Parce que franchement, ce jeu il est quand même assez compliqué à comprendre parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication. Du coup c'est bon, je serai pas vraiment perdu, donc du coup c'est plutôt nickel. Du coup les gars, perdons pas de temps, on va tout simplement continuer à XP. Et franchement ce qui serait plutôt pas mal c'est de débloquer le premier souffle. Ok ouais, le mec avec sa petite charrette. Ça serait plutôt pas mal de débloquer le premier souffle. Alors du coup sur mon compte principal, j'ai pris du coup celui de Zenitsu, là, le souffle de la foudre. Mais du coup pour cette partie là j'aimerais bien prendre celui de l'eau. Parce que franchement il a l'air d'être quand même assez stylé et au moins ça changerait un petit peu de mon habitude. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre la petite quête pour se faire un petit peu de sous-sous parce que là, du coup, c'est ce qui nous manque quand même pas mal. Allez, hop, on va prendre ça. Let's go. Et du coup, comme vous le voyez aussi en bas, j'ai des spécialités en plus. Enfin, genre, j'ai des petites stats en plus. C'est tout simplement parce qu'en gros, du coup, j'ai changé de clan. Et là, je fais partie de la famille Rengoku. Donc, du coup, c'est un clan qui est suprême. Donc, vraiment, c'est super dur à avoir parce qu'en gros, le taux de drop, il a 0,1. Donc c'est extrêmement rare, mais je sais que c'est pas le meilleur, mais franchement il fait large le taf pour l'instant pour ce que ça me donne. Donc c'est plutôt cool et tout simplement on va continuer à XP avec ce clan. Et puis bah je changerai au fur et à mesure de l'aventure les gars. Allez du coup on va poser ça ici, voilà nickel. Du coup ça nous fait un petit peu d'argent en plus. Bon là objectif c'est quand même d'avoir 5000 pour pouvoir acheter le premier souffle. Et ensuite aussi ça serait pas mal d'avoir la petite canne à pêche. Parce que la canne à pêche elle est bien utile pour pouvoir gagner de l'argent. Bon après c'est pas très utile parce que les quêtes elles rapportent plus. Mais dans ce monde, enfin dans le monde 1, elle est quand même bien utile. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on va faire là les gars? On va tout simplement continuer à faire la petite quête là pour tuer les mobs à droite plus le boss. Parce que du coup c'est ce qui va nous faire apporter des niveaux. Et ensuite voilà, hein, moi je pense que c'est à peu près tout. Ça serait quand même plutôt sympa du coup comme je l'ai dit d'avoir 5000 de yens. Je crois que ça s'appelle comme ça, c'est des yens non? Je sais pas comment ça s'appelle dans le jeu. Pour pouvoir avoir le petit souffle comme ça, ça serait un petit objectif de vidéo. Allez c'est parti, tu donnes ta quête toi. Voilà, hop on va tuer ça. Et du coup maintenant je sais un petit peu mieux me battre quand même. Parce que c'est un petit peu la base du jeu. Allez hop, ok bon. Je dis ça, je me fais poutrer dès le début. Allez c'est parti. Ah, je mets 12 de dégâts, c'est plutôt sympa. Je fais quand même pas mal de dégâts hein, comparé à avant. Je crois que je faisais 9 dans la vidéo d'avant. Hop, voilà. Faites pas trop les malins parce que moi, je vous défonce maintenant. Je suis un vieux papy. Trop chaud. Allez, hop. Voilà, let's go. Allez, hop, on va pouvoir rendre la petite quête et du coup reprendre la deuxième. Ok, lui, il se fait poutrer par le boss, c'est abusé. Allez, hop, c'est parti. Hop, donne-moi la petite quête, mon ref. Voilà, nickel. Allez, on va devoir sauver la petite fille. Allez, hop, on y va. Tac. Alors, ouais, du coup, dans ce jeu, c'est beaucoup de... Enfin, c'est beaucoup de farm sur la même quête. Ça, c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas énormément de quêtes différentes, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Ok, bon, là, je me fais poutrer, comme d'habitude. Hop, voilà, nickel. Ah non, c'est vrai, il faut que je la sauve. Ah oui, je suis bête. Oh, là, cette quête, ça se voit, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Hop, voilà. Hop. Bam, let's go. Du coup c'est bon, j'ai tué ça. Et ah oui c'est vrai, je viens de penser du coup vu que j'ai... Ouais c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Vu que du coup j'ai débloqué un nouveau clan, j'ai un nouveau pouvoir. Et ça va être super stylé. Hop, voilà, il n'y a pas de souci, mec. Hop, nickel. Du coup j'ai Cœur Blaze. Alors du coup je sais même pas comment ça... Ah ouais non c'est trop stylé. Alors là je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant. Mais franchement il y a moyen que je mette des dégâts de feu. Est-ce que c'est ça? Ah ouais, non, mais je fais beaucoup plus mal. Ah ouais, je suis passé de 12 à 16. Ah ouais, non, mais mec, ça fait super mal par contre. Et en plus, ça dure bien longtemps, j'ai l'impression. Oh, c'est incroyable. Oh, j'adore cette famille. Parce qu'en gros, sur mon compte principal, j'ai une famille qui est très très bien aussi. Il n'y a pas un truc comme ça. Et ça, franchement, c'est trop stylé. Ok, ouais, donc faut que ça se recharge. Ouais, ça met un peu de temps quand même. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Du coup, on reprend encore la même quête. Hein. Du coup, c'est ce qui va nous faire gagner le plus d'XP possible. Parce que bon, il faut aussi qu'on atteigne le niveau 10. Ça peut être cool.
Allez, toi, hop. T'inquiète pas, mon ref, je vais t'aider. Hop. Voilà. Ok, ouais, je le touche même pas. Vas-y, j'ai même pas fait assez de dégâts pour pouvoir finir la quête, c'est abusé. Bon, bah, du coup, on va attendre qu'il spawn. Et franchement, dites-le-moi dans les commentaires, là, vous notez combien, là, le style de mon perso, je le trouve trop stylé en vrai. Bon, après, bon, la tenue, voilà, je fais un peu clochard quand même, mais vas-y, c'est pas grave. Hop, mais en vrai, je trouvais que c'était là, c'est trop stylé, genre, même si elle est un peu défoncée, la tenue. Mais je trouve elle est assez stylée comme ça. Allez, hop. Hop. C'est vrai qu'aussi, du coup, dans la première vidéo, j'avais pas vu qu'il y avait des combos. Hop, du coup, maintenant, je sais qu'il y a des combos. Putain, je lui fais. Eh, je lui mets trop cher. Eh, le mec, comment je lui ai mis archi cher, c'est abusé. Alors, du coup, ce boss-là, il loot un collier. Ça peut être sympa de l'avoir aussi. Parce que, du coup, ça donne des PV en plus dans mes souvenirs. Hop, ok, ouais, bon. En vrai, le seul problème de ce jeu, c'est que, du coup, les quêtes, il faut attendre longtemps avant de pouvoir les refaire. Ça, c'est un peu relou. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Je pense qu'on va prendre quelques petits bandages. Ça peut être sympa. Je vais en prendre deux. Comme ça, au moins, on est bien. Hop, voilà, nickel. Parce que franchement, les bandages, ça peut être sympa. Alors, je m'en sers pas trop sur mon compte principal. Mais hop, comme ça, au moins, si un jour on est un petit peu dans le caca, on aura de quoi se soigner. Allez, hop, on va reprendre la petite quête. Hop, nickel. Hop, nickel. Bon, bah, du coup, aussi, j'ai su que dans ce jeu, le dernier niveau, c'était 200. 200 ou 250, je crois. Mais bon, on est quand même assez loin du niveau là. En vrai, c'est un petit peu abusé. Hop, hop, voilà, toi, t'es mort, mon ref. Ok, les autres, ils sont où? Wesh, ils les ont. Mais non! Vas-y, le mec, il les a amenés à 10 000 km là. Il abuse un peu là, non? Ok, toi, tu vas venir ici, mon ref, parce que t'es un petit peu relou. Hop, voilà. Comme ça, au moins, il va pouvoir respawn là-bas. Ça, c'est plutôt nice. Allez, vous venez ici, les refs. Allez. Hop. Bam. On va se calmer. Tac. Boum. Oh, c'est trop stylé. En vrai, franchement, le combat sur ce jeu, il est incroyable. Hop. Alors du coup, oui, il y a des gens, ils sont aussi démons. Et ça, dans cette zone-là, souvent, il y a des mecs qui sont haut level qui viennent nous buter. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est vrai que ça peut être sympa au fur et à mesure de l'aventure de passer démon. Voir un petit peu ce que ça fait, parce que du coup, j'ai pas encore testé. Allez, hop, on va reprendre la petite quête. Hop, la suite, on va sauver la petite fille. Hop, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Hop, nickel, c'est parti. Enfin, on a passé le niveau 10. Et on a 400 yens. Bon, c'est pas incroyable. Regardez ça, les petites fleurs qui spawnent ici. Ça, c'est pour transformer en démon. Alors, je sais pas comment ça marche. Je sais qu'il faut en récupérer 5. Bon, là, du coup, c'est ma toute première. Ok, bon, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on peut. Bah, attendez, j'en ai eu deux en. Attendez, c'est trop cheaté. J'en ai eu deux là, vraiment? Ah ouais, ah, j'en ai même 3. Ah ouais. Bah, franchement, j'ai été grave rentable là, par contre. Ok, bon, bah, c'est plutôt cool. Ok les gars, du coup c'est bon, j'ai débloqué une nouvelle quête et du coup on va devoir tuer des monstres dans la grotte. Donc du coup c'est des démons, donc ça va être mon tout premier démon, ça c'est plutôt cool. Allez c'est parti, du coup ils sont là-bas, allez on y va, let's go. Et on va les fight avec cette magnifique compétence, franchement elle est incroyable le clan de Rengoku. Franchement je pensais pas qu'on pouvait avoir une aura aussi stylée. Allez c'est parti, hop, et en vrai je fais super mal, c'est abusé. Eh, je suis que niveau 15 et je fais déjà 22 dégâts, c'est abusé. Hop, voilà, nickel. Ok, bon, je vais me calmer. Hop, il m'enchaîne. Ok. Désolé, mec. Voilà, c'est bon. Ok, et du coup, on récupère des cornes de démon. Et les cornes de démon, je sais qu'on peut s'en servir à un moment pour un truc, mais je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, ça va être utile, je pense, pour la suite. Allez, c'est parti. Du coup, ça m'a fait passer un niveau, ça c'est plutôt nice. Bon, bah, du coup, on va farmer cette quête-là, les gars. Hein. Allez, c'est parti, on va refaire la petite quête et on va tuer encore les démons. Ok, donc du coup, je suis niveau 16. Au niveau 20, on pourra débloquer une autre quête, je pense. Du coup, ça va être sympa. Allez, c'est parti, on y va. On remet la petite compétence trop stylée, c'est parti. Allez, bon, en vrai, juste le déplacement, il est un petit peu long quand même. Allez, hop, vous venez ici. Vous savez quoi, on va essayer de prendre les trois en même temps. Ça peut être bien. Hop, voilà. Boum, esquive. Ok. Non, ok, en vrai ça va être compliqué. Non, en vrai ça va, nickel. Ok, j'ai pas fait mon petit combo. Non! Oh là là. Hop, voilà, c'est bon. Au moins on a fait les trois en même temps. Et en vrai, ouais, ça passe presque un niveau, ça c'est plutôt cool. Ok, bon bah du coup on va continuer à farmer. Ok les gars, du coup c'est bon, j'ai débloqué le niveau 20 et je vais pouvoir tout simplement faire une autre quête. Allez, c'est parti, du coup ça se passe dans le village d'à côté. Donc on y va, c'est parti. Ok les gars, du coup c'est bon, on arrive au prochain village et c'est ici qu'on va faire nos quêtes. Alors je sais que c'est ce PNJ là-bas qui fait
principalement les quêtes pour de l'XP, mais on va aller voir vite fait. Alors non, c'est pas ce PNJ. Alors je sais même plus c'est lequel. Je crois que c'est pas dans ce village-là, c'est dans le village plus loin où je vais pouvoir revendre mes équipements. Parce que j'aimerais bien revendre un collier parce que j'en ai eu deux. Donc en vrai, ça pourrait faire en sorte que je gagne un peu plus d'argent. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette petite quête. On va donner à manger à sa fille. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Du coup, c'était la petite fille qu'on voyait dans le premier épisode avec qui j'ai discuté. Du coup, c'est parti. Alors, je sais pas combien ça donne cette quête. Là, je suis à 1600 yens et je suis... ok, je suis à ce niveau-là en XP. Donc, on va voir un petit peu combien ça donne. Allez, c'est parti. On va aller voir la fille. Hop, voilà. Du coup, on va le donner à elle. Alors, du coup, elle va me parler. Alors, du coup, le village, il s'appelle comment? Parce que Ushumaru. Ok, c'est le Ushumaru village. Allez, c'est parti. Ok, ça donne de l'argent. Alors, combien j'ai eu avec ça? Allez, s'il te plaît, arrête de parler, mon ref. Ok, thank you very much. Je m'en fous un petit peu. Ok, et ouais, ça m'a donné 100. Ok, et un petit peu d'XP. C'est plutôt pas mal. Bon, allez, ça va être peut-être un peu mieux avec la quête pour tuer les mobs. Ok, je sais aussi qu'il y a un truc à récupérer qui peut être sympa. C'est une lanterne. Mais vas-y, objectif, c'est d'avoir le souffle. Parce que je sais que la lanterne, elle coûte 600. Du coup, ça va bien baisser au niveau de mes sous. Donc, je vais attendre un petit peu avant de l'acheter. Hop, et on va essayer de faire la quête là de cette femme qui a perdu son diamant. Allez, c'est parti, on va la faire. Alors j'espère que je vais pouvoir la faire parce que souvent à chaque fois je l'ai en rouge. Ouais, je sais pas pourquoi à chaque fois je l'ai en rouge celle-là et même si j'attends et que je lui reparle 2 minutes après ça marche pas donc je comprends pas le délire. Bon bah du coup c'est parti, on va continuer de faire les petites quêtes. Alors du coup c'est ce PNJ là, c'est parti. Hop, voilà. Du coup on va devoir tuer 4 bandits subordonnés de Kaiden, ok. Donc hop. Alors ouais je sais qu'eux ils font pas mal de dégâts mais là franchement j'en fais pas mal aussi. Donc ils vont mourir assez vite. Hop. Voilà, nickel. Allez, à ton tour maintenant, mon ref. Ok, bon, on va se calmer. Hop. Hop. Voilà. Toi aussi, je te prends comme ça. Boum. Ah, ça fait pas mal de dégâts en vrai. Boum. Let's go. Oh, par contre, ça donne vraiment pas mal. Je gagne presque 100, 100 pièces par mob tué. C'est abusé, non? Ah non, c'est normal, c'est la fin de la quête. Eh, mais en vrai, elle donne quand même pas mal, hein, je trouve, hein. En vrai, je vais vite atteindre les 5000, je pense, avec cette quête. Ouais, parce que là, il m'en reste 3000. En vrai, ça va aller vite, je pense. Allez, c'est parti. On va tuer le petit boss. Alors, je sais que le boss, il donne une épée. Donc, ça peut être vraiment cool de l'avoir. Hop. Non, par contre, en vrai, quand il fait ce tourbillon-là, c'est impossible de le cancel. Hop. Mais c'est pas grave. Moi, je fais pas mal de dégâts aussi. Du coup, t'es bien. Ok. Non, en vrai, là, son tourbillon, il est bien relou. Hop. Voilà. Ok. Ouais, par contre, attendez, mais il me fait trop mal. Je viens de capter là, j'ai presque plus de PV. Vous savez quoi, on va se régénérer. Heureusement que j'ai pris des bandages. Comme ça va pouvoir me régénérer un petit peu. Voilà. Voilà. Boum. Petit combo de la muerte. On va esquiver sa petite technique là. Hop, voilà. On va réactiver. Ah, on peut pas réactiver la compétence, dommage. Ok, ouais, non, c'est dans pas longtemps. Non mais ça fait trop mal, c'est abusé. Vas-y stop mon ref là. Vas-y, il sait pas s'arrêter, hein, c'est abusé. Dès qu'il me met un coup, il en met 40. Bon en vrai la tornade elle est bien relou là, c'est un peu chiant. Hop, ok. Bon par contre je crois qu'il va me buter avant que je le bute. Ok, en vrai il y a moyen que je réussisse à le tuer là en vrai. Hein. On va essayer de mettre cette compétence pour faire un peu plus de dégâts. Peut-être avec ça j'aurai de la chance. Ok. Mais non, mais vas-y, il abuse là. Frérot, c'est quoi de son truc qui se régène toutes les 1 seconde et demie là? C'est abusé. Non, vas-y, c'est bon, j'ai la haine. Il reste 40 PV. Le mec, j'ai même pas réussi à le tuer. Vas-y, je suis trop nul. J'ai respawn où? Oh non, je suis vraiment trop nul. Pourquoi je spawn là, moi? Et je crois en plus, je peux même pas utiliser le TP. Il faut que j'achète le truc. Oh non, j'ai vraiment trop la haine. Ok, bon, bah, je vais devoir me retaper tout le chemin. Let's go, les gars. Voilà, comme ça, au moins, avec le petit spawner, ça peut être plus pratique. Parce que, franchement, refaire le chemin à chaque fois, c'est un peu relou. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on va le terminer. Parce que là, franchement, il m'a foutu la haine. C'est vrai que la lanterne, elle serait bien utile pour voir. Mais là, en vrai, j'économise pour avoir mon petit souffle de l'eau, là. Parce que ça peut être vraiment intéressant. Ah non, mais il s'est régène entièrement. Non. Non, vas-y, je sens qu'il va encore me mettre une raclée, c'est abusé. Bon, vous savez quoi? Parce que j'ai une petite idée. Je pense que je vais un petit peu utiliser des Robux pour pouvoir avoir des petits avantages. Vous allez voir ça tout de suite, les gars.
Et voilà les gars, regardez comment je suis devenu hyper stylé. Et du coup, en fait, j'ai tout simplement acheté le petit Aori de Rengoku. Donc en plus, ça va super bien avec du coup mon clan tout simplement. Et je me suis pris aussi le petit masque. Du coup, ça donne des petits bonus. Et aussi l'uniforme de Tengen. Comme ça, les gars, je suis paré pour défoncer tous les prochains mobs. Alors, ça donne pas mal de bonnes stats quand même. Du coup, c'est parti. On va tester ça sur le petit boss. Est-ce que je fais plus de dégâts? Ok, bon, par contre, s'il me défonce comme ça va pas le faire. Mais là, niveau PV, j'en ai eu pas mal. Ok, là, je suis passé de 17 à 18. Après, c'est un petit peu normal. Mais c'était surtout pour les PV que j'ai pris ça. Hop. Voilà, nickel. Alors, je sais pas si ça va. Si c'est cheaté en vrai, mais ce que je viens d'acheter, mais en vrai, ça va pas mal m'aider pour mon aventure solo. Hop, voilà. Allez, reviens ici, mon ref. Hop, voilà, tac, tac. Oh là là, là maintenant, je le défonce, le ref. Ok, ouais, non, par contre, en vrai, sa technique de tourbillon, elle est archi cheatée, je trouve. Ok. Ah non, mais c'est impossible à parer ça, en fait. Une fois qu'il la lance sur toi, t'es mort, en fait. Non, vas-y, c'est. Eh, il abuse là, le ref. Il abuse. Avec sa compétence trop cheatée là. Ok. Tu vas te calmer parce que franchement. Là, c'est bon, t'es mort. Boum. Ok, il reste 18 PV. Un coup et t'es mort. Ok. Ouais, bon, on va pas se laisser faire. Voilà, nickel. C'est bon, t'es enfin mort, mon ref. Purée. Eh, il était bien relou là comme boss. Il voulait pas mourir, c'est abusé. Mais bon, c'est nickel. On a terminé la petite quête. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement continuer à la farmer. Car objectif, 5000 yens pour pouvoir acheter le petit souffle. Ça, vous le savez très bien. Mais en vrai, j'ai pensé à revendre aussi cette petite amulette. Alors, je sais pas combien est-ce qu'elle va me coûter. Je sais qu'aussi, il y a des cornes de démon. Je sais pas si je vais pouvoir les revendre. Et les fleurs. Je sais pas, en vrai, faudrait aller voir le PNJ, mais je vais refaire quelques fois la quête. Comme ça, au moins, j'aurai bien XP. Allez, c'est parti, on la reprend et let's go! Ok, les gars, regardez ce que je viens de looter. J'ai eu le katana de l'eau, mais attendez, c'est incroyable ça. En plus, ça va parfaitement avec le prochain souffle que je vais acheter. Non, mais attendez, c'est incroyable ça. Oh, il est trop stylé. En plus, regardez ce que ça fait quand j'attaque. Non, c'est trop stylé par contre. Ah ouais! Non, en vrai, je sais pas s'il est rare ou quoi, mais franchement, il est super beau. Ça va, en plus, mais ça va archi bien avec avec ma tenue là, c'est abusé. Regarde, je suis en blanc plus bleu. Bon, après, ah, mais pourquoi il me dit oh my god? Non, me dis pas que mon katana, il est archi stylé à avoir. Attendez. Ah non, ok, d'accord, c'est un mec qui m'a reconnu. Oh, je pensais qu'il parlait de mon katana. Ah, peut-être que c'est un français, je sais pas. Bon, en vrai, vu que lui aussi son clavier se met en anglais. Sur ce jeu, dites-moi aussi si vous aussi votre clavier se met H24 en anglais, c'est abusé, je trouve. Ok, bon, bah, du coup, un petit abonné avec moi. Wesh Nelox. Bon, bah, du coup, je vais continuer à XP. Alors, je sais pas ce qu'il veut écrire. Ok, bon, bah, c'est un abonné qui m'a reconnu. Ça, c'est franchement pas mal. Allez, c'est parti. Oh, mais mec, attendez, je suis passé de 18 à 22 dégâts, mais c'est abusé. Eh, je fais de plus en plus de dégâts là, c'est dingue. Allez, c'est parti. Hop, le petit 39 de dégâts. Voilà, nickel. Bon les gars, je suis arrivé dans un nouveau village et je vais tout simplement aller revendre des items à ce mec-là. Voilà, hop. Alors du coup, est-ce que ça fonctionne? Eh ben non. Oh putain, j'ai trop la haine. Par contre, on peut revendre nos cornes, non? Ok, on peut pas revendre nos cornes. Ça, c'est un peu dommage. Est-ce que... C'est... Ouais, non, j'ai pas envie de revendre. Après, je peux revendre que ça. Ouais, non, mais vas-y, j'ai trop le seum. Je pensais que j'allais pouvoir revendre les médaillons, mais pas du tout. Ça fonctionne pas avec lui en fait. Ah ouais, en fait c'est un peu compliqué du coup là en vrai. Mais du coup elle donne quoi? Ah elle demande la lanterne pour 600. Ah oh, j'ai... En fait d'un côté j'ai envie de l'acheter. Bah vous savez quoi, je vais l'acheter et je vais faire autre chose. Je vais acheter une canne à pêche et je vais faire un petit peu de pêche là comme ça au moins on va pouvoir gagner peut-être un peu plus rapidement de l'argent. Allez c'est parti. Après il y a aussi ce personnage là. Qu'est-ce qu'elle donne? My safe, can you please come back? Ok il faut que je parle à Tommy. Ok bon bah vous savez quoi, on va aller le voir. Hop, voilà. Du coup, il a donné de l'argent. Il a donné combien? Rien du tout. Ok. Ok, il m'a carrément niqué. Get lost. Ok, part de là, étranger. Ok, super. C'est comme ça qu'on me traite. Ok, bon. À mon avis, je vais faire de la pêche. Comme ça va peut-être me rapporter un peu plus rapidement de l'argent. Parce que là, en vrai, les 5000, ça va être un peu compliqué. Surtout que là, ça fait quand même un petit moment que je suis en train de tourner. Et ça commence à devenir un petit peu long, tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ah ouais, carrément, c'est une lune supérieure. Ah ouais. Alors, je sais pas si c'est un joueur ou si... C'est... Non, c'est un joueur, ok. C'est carrément une lune supérieure, c'est trop stylé, ça, par contre. Ça veut dire, le mec, c'est même pas juste un démon, c'est une lune supérieure. Ok, bon, bah, à mon avis, il a quand même... il doit quand même être assez stylé, en vrai. Bon, bref, vous savez quoi? On va faire un petit peu de pêche. Du coup, je vais aller acheter la canne à pêche. On se retrouve là-bas, les gars. Hein.